Taylor, over here. Yes. So, in the -ins, uh, flipped the crowd off. He did his things. How did you respond to that, and did that add any motivation for you? Taylor, pendant la pesée, Kalen, il a insulté le public. Il a fait ce qu'il a fait. Comment est-ce que c'était pour toi de réagir là-dessus, et, et parle-nous un petit peu de ce qu'on va aussi. Ma réaction, elle était simple. J'ai voulu euh, représenter mon pays au mieux. J'ai eu euh, l'impression de représenter tout un pays au moment où il a insulté le mien. Et euh, bah, j'aime beaucoup mon pays, donc euh, je l'ai mal vécu. Et j'avais à cœur de bien le représenter et de gagner ce combat. Vous savez, know, ma réaction était simplement que j'aimerais représenter mon pays dans la façon possible. j'aime mon pays, en particulier comme il l'a insulté. Donc c'était so très important pour moi de le représenter comme le mieux possible. Et j'aimerais vraiment, vraiment gagner ce combat. And a you know, Est-ce que tu étais très confiant que tu avais gagné le, le combat Kalen il a eu beaucoup de, de contrôle mais est-ce que toi tu, tu savais tu étais sûr que tu avais fait plus de dommages bah, je connais un peu les les, les règles et euh, je savais que les dommages étaient plus importants que les temps de contrôle Donc j'étais pas inquiet sur les temps de contrôle par contre je savais que quand j'avais des fenêtres pour faire des dommages, il fallait que j'en fasse. La seule chose où j'ai été surpris, c'est que je pensais qu'on allait faire 90% du combat debout. Et en réalité, euh, Caroline il a beaucoup lutté. Donc, euh, généralement, quand on dit qu'un striker se transforme en lutteur, c'est plutôt bon signe. Et euh, c'est ce qu'a fait Caroline. as important as damage time. So I knew that... whenever i had an opening then i had to create that damage make that damage on my opponent what i will say is i was surprised because i expected 80% of the fight to be striking but kalin decided to narrow the gap and usually when a striker decides to do that then it's a pretty good sign for his opponent and when you were in the ufc before french mma i mean um, french uh, wasn't legal in france right so how good does it feel to make your ufc return in your home country La dernière fois que tu combattais à l'UFC, le MMA n'était pas légal ici en France. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes sentiments maintenant que tu es revenu à l'UFC et en plus en France, dans ton pays C'est un sentiment incroyable que je pense que chaque combattant devrait vivre une fois dans sa vie, combattre chez lui avec une foule comme ça. Euh, ça peut être un piège parce qu'il faut savoir isoler l'énergie du public. Sinon, vous rentrez dans l'émotion et vous faites un combat qui est plus pour vous, mais qui est pour les autres. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et euh, j'ai eu un camp très compliqué, possiblement le camp le plus dur de ma vie, pour tout un tas de, de, de raisons. Et si vous saviez, si vous saviez tout ce que j'ai traversé pour revenir aujourd'hui, je vous jure, c'est fou. Et c'est une victoire que j'ai eue dans l'octogone, mais c'est une victoire qui est plus grande encore que, que ça au vu des difficultés que j'ai affrontées. Donc, je suis content. You know, it's, it's a feeling that I wish on every fighter to be able to fight and win in front of your home crowd, in front of a crowd like the one that I just had. But you know, it's so impressive, and, and I'm so glad and grateful for the journey that I've had because it was probably one of the most difficult camps I've ever had to do. I really struggled. But at the same time, to go through that, it's not only a victory in the octagon, it's more of a victory for everything that I had to go through, and I'm incredibly proud because of that, most of all. Merci. Ici, félicitations de ce combat. Euh, donc, euh, tu étais plus stressé ou pressé ou motivé à propos de, de cette ambiance qui, qui était spectaculaire pour toi bah C'était une ambiance inédite, donc c'est compliqué de prévoir quelque chose que vous avez jamais vécu. Donc, euh, j'ai essayé de m'enfermer le plus possible de l'émotion du public. C'est pour ça qu'à la fin du combat, j'ai juste voulu les remercier en fait pour leur énergie. J'avais pas beaucoup de mots à dire. Le combat parlait lui-même. Donc, ce que je voulais surtout, c'était profiter du public, communier avec l'énergie qui m'envoyait. C'est des bonnes ondes. On est dans un monde où on est aimé le lundi et détesté le mardi. Aujourd'hui, on est lundi, on aime, donc on m'aime, donc j'en profite. Et je suis content. Donc, ça fait la différence aussi physiquement, ne pas mentalement Pourquoi C'est les deux, en fait. C'est physique, c'est mental, mais je pense que c'est surtout une guerre mentale. La préparation, on l'a fait. On fait tout ce qu'il faut, les voyants sont ouverts. Mais le jour du combat, on, il peut se passer quelque chose qui vous fait euh, perdre un peu pied, et, et, et c'est surtout, je pense, une guerre mentale avant euh, celle physique. Merci beaucoup. De rien. Taylor. Merci pour tous les Français déjà. Je pense que c'est un message <laughs> qu'ils veulent tous te passer. Est-ce que tu vas euh, construire et continuer ta légende en allant commenter les combats de tes collègues après Écoute, il euh, y a mon costume qui est derrière toi. J'ai discuté avec l'UFC à ce propos. Ils m'ont dit qu'ils étaient a priori ok. Donc il euh, y a la main carte qui vient de démarrer. J'arrive. Merci beaucoup. Bonsoir Taylor. Salut. Félicitations Anes pour Culture MMA. Ma question, elle est simple. L'année dernière, tu étais présent dans l'arène, mais pas dans la cage. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de rentrer face à son public, 16 000 personnes qui se cantent son nom Est-ce qu'on n'a pas un petit peu plus la pression que d'habitude, justement Bah, es à l'UFC, c'est déjà une pression. Ensuite, tu combats chez toi, c'est une autre pression. Ensuite, tu as un camp compliqué, c'est une troisième pression. Est un gars qui est fort, qui est très motivé à te battre, qui est invaincu, qui est champion d'une organisation majeure en Europe, bah, c'est une cinquième pression. Donc euh, je pense qu'il euh, y, y avait l'autre pression qu'il fallait, mais euh, j'ai assumé. J'ai assumé comme j'ai toujours fait et euh, j'ai fait le taf. Si je voulais livrer un combat peut-être un peu plus euh, spectaculaire, je pensais que euh, mon compagnon de danse me, me, me le permettrait, mais il a beaucoup voulu lutter et du coup, euh, ça n'a pas donné le combat que je voulais, mais euh, dans le fond, je suis content. Salut, Taylor. Bravo pour ton combat. Salut. Euh, 2015, Rocky Pologne. C'est ton premier combat à l'UFC. Est-ce euh, que tu as vécu d'aussi grandes sensations, enfin, en termes de sensations entre ton premier combat à l'UFC et celui-là, huit ans après Bah, En 2015, il y a des gens qui savaient même pas ce que c'était l'UFC dans mon entourage. Je leur disais, je combattais à l'UFC, ils me disaient, ah, oh, cool Mais ils ne savaient pas ce que je leur disais. Là, je reviens sept ans après. Après un an et demi d'inactivité, de blessures, euh, que dire Je, je, je te dis, c'est un, un combat multiple et, euh, et, et je suis content de l'avoir remporté parce que ce n'était pas simple. Donc je suis resté concentré, j'ai gardé mon sang-froid et j'insiste sur le sim, le, sur le... le, 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 le j'ai assumé, assumé le combat, j'ai assumé la pression et j'ai fait le taf. C'est ton premier combat en, en binôme comme coach avec Johnny Frachet ça s'est ouais. passé comment Ça s'est bien passé. Après, il faut toujours une petite période où on s'apprivoise un petit peu. Je change d'équipe, je change de sparring partner, je change de head coach. Mon staff il a, il a changé euh, du tout au tout. Donc, euh, il faut pouvoir euh, se, 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 être en osmose avec euh, ce, 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 ce camp-là. Et euh, Je vais me répéter, mais je n'avais pas combattu depuis un an et demi. Je revenais de blessure et tout. Donc... Il a vraiment fallu qu'on s'apprivoise, Johnny et moi, même si on se connaissait beaucoup. Et pour ça, il a fait un, incroy... un travail incroyable. Mon autre coach, Eric Cara, a fait un taf incroyable. Mon coach de boxe, Abadilalab, a fait un travail aussi incroyable. Tout le monde s'est mis en synergie pour pouvoir me faire performer. Et ça a été un boulot d'équipe. Merci Taylor. Euh, content de te revoir à l'UFC. Merci. Euh, bon commentaire. Merci. <laughs> Salut Taylor. Salut. Félicitations pour la victoire. Merci. Euh, je voulais savoir un peu, tu nous parles, j'aimerais que tu nous parles un peu de, de ce combat. Donc, comme tu dis, ça fait un an et demi que tu n'as pas boxé. Euh, comment tu t'es senti et est-ce que, comment tu l'as trouvé ton adversaire Dur. Il était euh, dur au mal. J'ai été surpris parce que, comme j'ai dit, euh, je pensais qu'il allait plus boxer. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de luttes. Euh, ça, je l'avais pas prévu, je ne vais pas mentir. Je pensais pas qu'on lutterait autant. Mais euh, voilà, j'ai pu... Euh, mon coach, Eric Karam, m'avait prévenu, il m'avait dit, tu sais, je pense qu'il va vite changer de niveau. Je me disais, mais il, il me dit n'importe quoi, le gars va boxer, on va faire 80% du fight debout. Et en fait, bah, c'est lui qui avait raison. Il y a eu euh, beaucoup de luttes, donc ça, ça, ça j'ai été surpris. Et euh, du coup, j'ai essayé de me rattraper sur les dégâts parce que j'ai passé beaucoup de temps à défendre cet takedowns. Est-ce que, bon, je sais, comme tu dis, que tu pensais que ça va être plus en lutte, mais est-ce que tu es content de ta, ta prestation Ouais, je suis content parce que... Euh, j'ai eu un petit frisson dans le round 2. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai eu, ce, 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 ce frisson. Et euh, bah, j'ai gardé euh, la, la tête froide et je me suis dit, OK, euh, euh, j'ai déjà eu affaire à ce genre d'adversaire qui se dit euh, qu'il va me scotcher au sol et que je ne vais plus bouger. Donc, euh, voilà, j'étais prêt pour ça. Et, et euh, écoute, on a réussi à faire euh, ce qu'il ce, qui, ce qui fallait. La stratégie, elle était assez simple. Mon coach à Badilalab, il m'a dit, travaille-le avec ton jab. Laisse-le venir, il viendra tout seul sur le sur ton bras arrière et euh, j'ai appliqué les consignes et ça a payé donc euh, je suis content, on a fait un, un beau boulot d'équipe. Et dernière question pour moi, du coup, est-ce que tu as un... quelque chose de prévu pour la suite euh, Pour le moment, je vais apprécier ma victoire, je pense déjà. Euh, je vais kiffer un petit peu, je passe à 4-1 à l'UFC parce que moi je comptabilise mon premier run, donc euh, je passe à 4-1 à l'UFC, je vais apprécier ce moment-là, je vais me reposer un petit peu et puis on verra pour la suite, je fais confiance. Euh, à l'UFC euh, et, et ils feront le boulot pour moi. Donc, euh, voilà. Merci, Taylor. Merci. Salut, Taylor. Félicitations Salut. pour ta victoire. Merci. Euh, Tom pour Stade Perform. Toi qui as autant d'expérience euh, dans ce sport, il y a le Bellator qui arrive à Paris il n'y a pas longtemps, il y a le PFL qui arrive, deuxième édition de l'UFC. Est-ce que tu penses que le MMA peut passer, j'allais dire, deuxième sport en France dans le top 3 dans les années à venir Oui, je pense parce que c'est un combat, un sport qui a beaucoup de hype. C'est un sport qui grandit très vite. Je pense que c'est le sport qui a grandi le plus vite historiquement. Donc je pense que d'ici quelques années, on peut avoir un sport. Alors le foot restera toujours le foot en, en, en Europe, mais je pense qu'on peut avoir un sport qui est très concurrentiel. Quand on voit des grosses chaînes de télé maintenant qui investissent, qui investissent massivement sur les sports de combat, je pense que c'est assez parlant. Donc voilà, il n'y a, a qu'à voir un petit peu ce qui fonctionne en ce moment. C'est le foot et le combat. Donc je pense que le MMA sera euh, le, le, possiblement le, le, le deuxième sport de France. C'est un, un peu comme le triathlon des, des, des sports de combat, le MMA. Donc je pense que tout le monde va s'y mettre progressivement avec la médiatisation qui vient, avec les grosses ligues qui viennent dans notre pays. Il n'y a pas de, de, de raison que ça ne devienne pas le, le deuxième sport le plus populaire en France. Merci. De rien. Merci à tous.